Salut à tous, c'est Mister696. On se retrouve pour un nouvel épisode de Feed the Best. Pour notre aventure, comment débuter sur Feed the Best, Feed the Beast, comme vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons voir pas mal de choses, donc pas mal de choses qui vous seront importantes et qui ont été importantes durant entre les deux épisodes, entre l'épisode 4 et 5. Donc je sais pas si vous avez déjà reconnu, mais ça a pas mal changé, donc ma maison, donc je l'ai bien décorée. Je me suis bien amusé quoi, j'aime bien la décoration, donc pour ça essayez d'aller voir sur notre aventure qui s'appelle Square, comme vous voulez. Donc je vous fais vite fait une petite visite. Donc là on a un peu un carrefour où je mettrai de la glowstone après dès qu'on ira dans le nether une fois. Une petite fontaine. Ensuite, bah, le bâtiment, bah, je l'ai fini le tour, etc. Donc ça n'a pas tellement changé. Là, j'ai fait sur la terrasse, j'ai mis une belle petite terrasse que j'ai pas encore fini de faire. Ensuite, là-bas-haut, j'avais fait des champs vraiment tout simples. Et pour finir, bah, je me suis amusé à faire des jolis petits trucs vraiment sympas. Donc vous vous dites comment j'ai pu faire tout ça. Et... Donc entre l'épisode 4 et 5, il y a eu... au moins 2 semaines, donc vous allez voir tous les minerais que j'ai. Donc là j'ai ma maison, l'intérieur a presque pas changé, donc j'ai reçu ça et ça, et donc ça je vous expliquerai comment. Et sinon donc mon lit, ben, je l'ai créé, enfin j'ai pu, je me suis fait une table d'enchantement et en ayant miné et en ayant combattu, puisque je suis en easy maintenant, j'ai eu pas mal de niveau 30, donc là je voyais que je suis encore au niveau 9, donc j'ai enchanté niveau 30 une pioche d'amant et une épée en diamant, et tout ça j'ai enchanté niveau 10-15. Donc comment j'ai eu cette tête là, j'ai eu en ayant fort pâle 2, donc c'est la première fois que j'avais ça, je ne sais pas, et en fait en tuant des mobs vous obtenez ça, et avec ça bah, je suis pas assez puissant, donc là c'est niveau 30, hein, vous pouvez le voir attendez, je vous montre la petite suite. Donc si vous mettez des torches, ça diminue les niveaux disponibles, donc il faut enlever toutes les torches et maintenant il y aura le niveau 30 en bas, voilà. Donc pardon, le niveau maximum. Donc maintenant je vais vous montrer mes coffres. Donc j'ai 2 iron furnace, donc si vous vous rappelez bien comment on les craft, ce n'est vraiment pas dur. Pardon, clic gauche. Ça vient s'ouvrir. Voilà, donc soit 8 lingots de fer, soit un four et 5 lingots de fer. Donc, personnellement, j'ai fait chaque fois celui-là. Et si ça sert à rien de faire, on en avait aussi préparé un qui est toujours là pour faire notre première machine. Donc, ça sera un peu le thème d'aujourd'hui, faire notre première. Notre première source d'énergie, on va dire, voilà. Donc on va commencer l'énergie aujourd'hui. Je vous avais dit peut-être dans le dernier épisode que j'allais miner avec vous, mais pour finir je me suis dit que c'était inutile et que ça allait être lassant, et que ce que je voulais savoir surtout c'est comment vraiment jouer sur Feed the Best. Donc puisque le minage tout le monde sait le faire, donc bon, c'est un peu 4 épisodes d'introduction. Et voilà, donc j'ai un coffre à bordel, on peut dire, à tous les blocs inutiles un peu. Ici, voilà, mes minerais, voilà, pardon. Ils sont rangés, donc je mettrai pas une armure en fer pour me l'utiliser, mais pour finir, je me suis dit... Pourquoi pas, j'ai assez de diamants, je peux profiter de m'en faire une en diamant. Donc c'est pas un problème. Et pourquoi j'ai aussi peu de fer et d'or. Donc le fer, il faut le cuire à fur et à mesure. Donc ne le faites pas comme j'avais fait au début. Donc j'en avais cuit je crois un sac et demi. Ne le faites pas, puisque vous verrez qu'à par la suite. Donc là c'est tous les minerais non cuits. Exprès, puisqu'on va faire après le générateur. Un macérateur, voilà, pardon. Donc tout cela c'est tout ce que on garde pour la suite,
pour regarder pour pouvoir vous verrez pourquoi, mais ça va être avantageux pour nous. Donc là-dedans, c'est tous les minerais obtenus, mais de tout ce qui est autre que Minecraft de base, avec quelques lingots que j'ai déjà cuit. Donc deux différents coppers, un dû à Bullcraft et l'autre dû à IndustrialCraft. Donc celui-là on peut le trouver même à la surface. De l'ambre, c'est pas très utile, mais voilà. Du raffinage iron, si vous vous rappelez comment on le fait, c'est faire cuire un lingot de fer, et ça nous sera utile pour la suite. Le tin aussi, différentes manières pour les deux modes. Oula, qu'est-ce que ça fait là? Tac, et ça aussi, je sais pas ce que ça fait là. Hop. Voilà, ensuite du silver et du lead, donc ça, et du ferrous. Donc tout ça, c'est des minerais aussi. Du monazite, tout cela, c'est des nouveaux ajoutés. Cela aussi, des cristaux. Ça, c'est. On peut aussi l'obtenir grâce. Enfin, en cuisant des enderpearls. Mais c'est plus pratique de les avoir comme ça. Et l'apatite a changé de texture. Donc, c'est devenu des sortes de petits morceaux bleus. Au lieu de petits cristals comme le diamant. Donc, ici, c'est mon coffre à tout ce qui est autre que minerai. Donc j'ai certains trucs que j'ai trouvé dans des donjons et autres comme ceci là. Donc je sais pas encore utiliser parce que j'y ai pas pensé au moment de le faire. Donc j'ai encore une tête là. Ok. Donc voilà, en gros. Ah non, je voulais pas encore montrer un truc, mais c'est pas super important. Ceci, donc je me suis fait un petit chien. Pourquoi il y a même un chien qui est rentré. Oh non, il a bouffé toutes mes poules. Tous mes moutons, pardon. Méchant. Il y avait des moutons ici. Bon, c'est pas le plus important puisque j'ai un lit maintenant. J'ai mes vaches et mes cochons, mais j'ai pas encore de carottes, donc je peux pas encore développer mes cochons. Enfin, reproduire mes cochons. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est, avant de faire passer à l'énergie, c'est des trucs que j'aurais dû avoir depuis un moment, mais que j'ai pas pu obtenir, enfin que j'ai pas pu faire pour ne pas pour que vous puissiez les voir. Donc backpack, donc c'est des sacs que vous pouvez prendre sur vous, voilà, comme ceci. Oh, j'espère que j'ai de laine. On va regarder ça. Et mince, est-ce qu'il y a des ficelles? Oh, c'est parfait. Donc le plus important, c'est le mineur, vous verrez pourquoi. Hop. Ensuite, il me faut aussi un coffre. C'est bon, j'ai assez de bois. Tac. Donc, c'est tout. Ces backpacks, c'est des sortes de sacs. Donc, ça vous agrandit votre inventaire. Tac, tac. Ah mince, il me faut encore des strings après. Ah, ça, c'est pas bien. Attendez, il n'y a pas un autre qui est plus facile. Ah, c'est pas bon, il me faut chaque fois des strings. J'en ai que deux, ok. Est-ce qu'on peut. Non, ok. Mince, donc on va pas pouvoir montrer ça aujourd'hui, mais ça sert. Donc si vous pouvez le faire, donc comme ceci, ça sert à agrandir votre inventaire. Donc par exemple, là dans mineur backpack, c'est tous les minerais que vous récupérez, ils vont directement là-dedans. Donc après, vous faites un clic droite là-dessus et il va s'ouvrir. Vous verrez tous vos minerais récupérés. Là, c'est tout ce qui est traction, tout ce qui est bloc de neige, tout ce qui est ouais, un peu aventure, je sais pas ce que c'est, ce qu'ils peuvent mettre dedans. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est tout ce qui est plante. Non, terre, cobble et tout. Ça, c'est tout ce qui est plante et ça, je sais plus. Donc, le plus important, c'est quand même celui-là et le digger. Voilà. Donc, je m'en ferai plus tard. Mais donc pour l'instant on aura assez de choses pour faire notre première machine qui est le générateur. Ok. Générateur.
générateur. Voilà. Pourquoi tout ça avant? Je ne sais pas. Voilà, donc pour ce générateur, il nous faut un aérofinir sont là, des refining iron on a, et il nous faut une RE batterie. Donc on peut pas cliquer dessus, donc puisque enfin je sais pas pourquoi, donc vous venez là, vous cliquez sur la vide et on va la faire. Donc il nous faut 4 tin, 2 redstone et 1. Bon, en fait on a tout, c'est bien. Donc 2 redstone, un copper cable et un iron furnace. Ça veut dire aussi que mettre 3 copper l'un aligné, ça nous faisait des câbles sans le petit truc noir. Sauf que on pourra les utiliser après, mais différemment. Donc, tac tac tac, il me faut encore 4 tin. 4 tin. Tac, et 3 raffinés. Donc, aussi, je sais pas si la dernière fois, je suis pas sûr. Enfin, dans les premiers épisodes, je suis pas sûr de vous avoir tout expliqué. Donc, je vais voir en améliorant tout ce que je peux vous expliquer. Donc, première chose, je viens d'y penser en pensant au copper cable. Donc, c'est. Ok. Super. Ok, allez, hop. Donc, en pensant. Donc, les arbres qui vous donnent la résine. Comment on peut les reconnaître? Donc, déjà, bah, par son bois un peu brun, par des petites taches. Donc, et. Aussi puisque ils ont, attendez, on peut bien voir, ils ont toujours ces trois petits blocs de feuilles en plus qui dépassent. Donc pour l'instant j'en ai assez, je me suis fait même une petite réserve un peu, et au cas où on ira les rechercher. Donc voilà, on a notre premier générateur. Où est-ce qu'on peut faire nos salles des machines pour plus tard? Ça risque d'être assez chaud. Je pense qu'on va. Pour l'instant, on va le mettre là. Donc, c'est pas grave si c'est pas super joli depuis l'extérieur. Ouh, non, attendez. Ah, ouf. Faites gaffe à pas faire ce que je viens de faire, puisque des fois, vous verrez que c'est pas super. Donc, ensuite, on prend du charbon pour commencer. Donc, tout ce que vous voulez qui puisse cramer. Enfin, qui puisse brûler. Et ensuite, on doit remplir notre générateur un maximum. Et ça, ensuite, ça pourra nous donner de l'énergie. Donc, pour cela, on peut se faire directement le macérator après. Donc, il nous faut 3 fines, c'est bon. Un machine block, c'est 8 raffinés d'iron. Et un electric circuit, ok. Donc, avec ça, je vais pouvoir. 3, 4, 5, 6, voilà. Ouh là là là. Oups. 3 copper pour faire un cable. Mince, comment on fait déjà? C'est électronique circuit. Voilà. S'il faut tout. Ouais, il faudra que j'en fasse recuire. Donc on va mettre 10 à recuire. Tac. Tac. Mince, il manque du charbon. Est-ce qu'elle est pleine? Voilà, elle est déjà pleine donc. C'est parfait, donc après on pourra faire. Oups. On pourra faire tout cela automatisé. Donc sans aucun problème. Mais pour l'instant on est obligé d'utiliser du charbon. Donc c'est la base. Tac 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 tac. Voilà, hop. Ensuite, il me fallait donc un peu de redstone. Hop 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 hop. Hop et hop. Et le dernier petit circuit derrière. Donc notre électrique circuit. On devrait en faire pas mal durant les aventures. C'est une des choses les plus importantes. Machine block donc 8. J'en ai 6. Ah bah 8, voilà, parfait. Donc je me fais un machine block. Voilà. Il me faut 2 cobble et 3 flint. Voilà. Donc. Oh bah j'avais déjà. J'avais déjà les cobbles, donc voilà, on met comme c'est expliqué. Voilà, aussi donc si vous arrivez pas à vous rappeler de tout ce qu'il faut faire, vous pouvez cliquer là et ça vous met tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à mettre au bon endroit. Voilà, donc on a notre macérateur. Donc soit
On le met directement à côté, au-dessus, où vous voulez, du générateur. Soit on mettra des câbles par la suite. Donc là, vous voyez, il se remplit d'énergie. Donc là, ça le vide un peu. On va mettre. Tac. Voilà, on va continuer à remplir. Ah, je crois qu'on peut même. Attendez. Tac. Puisqu'on a pas mal de redstone. Bon, là, il est plein, mais on peut aussi mettre de la redstone. Donc lui, il est plein. Donc à quoi sert un macérator? Donc, vous prenez. On va commencer par. Allez, on va prendre. Bon, allez, du fer. Voilà. On prend du fer de base. Oh, pardon. Voilà. On le met là-dedans, voilà, et ça charge. Et vous verrez qu'avec un iron ore, on obtient. Attention, c'est assez long, donc on pourra faire. Je regarde juste si on peut en faire ou pas. Hop, raid, tac. Oh là là, alors ça on peut faire. Ça on peut. C'est quoi ça? Ok, donc on peut s'en faire, donc je en ferai la prochaine fois. Donc on peut mettre des seaux d'eau, ok, même ça, ok. Donc voilà, ça nous donne deux iron dust. Deux iron dust, donc avec des iron dust, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc si on les remet là-dedans, ça nous fait, vous verrez, en recusant deux iron dust, donc ils sortent de un bloc de fer de base, ça nous donne un lingot de fer par poudre. Donc ça veut dire que... Pour chaque iron ore, ça nous donne deux lingots. Donc c'est plutôt bénef. Pour ça que je garde. Voilà, vous allez voir qu'avec la redstone, si je dis pas de bêtises. Ah non. Ah bah là on peut plus. Ok. On veut. Je veux aussi vous essayer de vous montrer. Attendez, je sais pas si on peut. Voilà, on va aussi se faire ça. Donc un électrique tripate. Donc à la place du truc. En bois que nous avions vu dans les premiers épisodes. Tac 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 tac. Il nous faut ça. Hop. Pardon. Tac. Donc ça c'est ça pour un électrique. Donc ce sera beaucoup plus pratique. Et mince. Bon, vous verrez qu'aussi avec. Non, ça y. Ouais bon. C'est pas grave. Excusez-moi, je m'embrouille un peu, mais je me comprends. J'espère que vous aussi. Donc on s'en cuit un pour pouvoir se faire. La petite l'électronique circuit. Voilà, hop. Il me faudra encore une RE batterie. Tac. Tac. Et la RE batterie, je me rappelle jamais comment on l'a fait. Pardon. Batterie. Voilà. Oh mince, il m'en faut encore un. Donc, j'en fais encore cuire ceci. Il m'en faut 6. Donc, ça avance tranquillement ici. Hop, on peut même déjà prendre les câbles. Donc, ça avance vraiment tranquillement. Donc, la prochaine fois, on pourra faire. Si on continue dans l'énergie. Une upgrade et aussi un extracteur, donc c'est la prochaine machine qu'on fera. Donc ça sera pour récupérer plus de résine et plus de voilà, pour récupérer pas mal de choses. Donc on va déjà se faire voilà, et on va déjà se faire notre batterie. On fera ce qu'il nous faut après. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et voilà, une batterie. Hop. Ah mince. Bon, bah, attends. Ouais, c'était pas ça que je voulais faire. C'était le tri. Voilà, pardon. Voilà. Donc c'est... voilà, il en faut 6. Voilà, hop, on se reprend 3 copper et on va finir avec ça. Hop, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc je parlais de ce que vous venez de voir là, à droite du truc. Voilà. Maintenant, je ne me rappelle jamais. Voilà, il faut
Un raffiné. Voilà. Donc. Tac, 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 tac. Donc ça utilise pas mal de ressources, hein, vous verrez ce mode. C'est pour ça que j'ai voulu miner, parce que sinon ça aurait pris au moins 14 épisodes. Oh, crotte. Donc ici, ça sera notre prochaine salle des coffres, puisque là-haut, on va l'utiliser pour la salle des machines en quelque sorte. Et sûrement devoir agrandir la maison, puisque elle pourra pas contenir, ou peut-être qu'on fera une autre maison, une autre. Je pense que je vais me faire une zone machine en quelque sorte. Tac. Voilà, hop, c'est tout bon. Donc pour faire notre tripté électrique, donc c'est pour une meilleure utilité. Voilà. Je t'emprunte 2 secondes. Ah voilà pourquoi ça ne marchait plus. Je me disais que ça avançait pas. Je te mets ça là-dedans. Toi, je t'enlève 2 secondes. Voilà, donc. Dès qu'il sera chargé. Donc tout ce qui est électrique comme ça, où c'est écrit 0 sur 10 000 EU. Donc EU, c'est l'énergie de Feed the Beast. Et donc là, j'ai 0 sur 10 000. Et on le remplit grâce donc à de l'énergie. Et à la base, on le remplit dans un générateur. Donc vous voyez, oula. Ouais, donc ça utilise pas mal. Donc on pourra faire pas mal d'autres choses qui nous fournissent de l'énergie, donc comme des moules, des non, oui, des moulins à eau et des panneaux solaires. Voilà, je vais le récupérer dès qu'il sera à 10 000. Je vous montre juste à quoi il sert. Voilà, hop, mince, et on peut remettre le fer. Hop, voilà. Mince, il fait nuit, on dort vite fait un petit coup. C'est pas bien long. Ok, c'est pas grave. Voilà. Donc y a pas de creeper, c'est tout bon. Voilà, et donc c'est pareil, clic droite et ça vous donne le même nom, mais vous voyez, c'est électrique, donc ça utilise un tout petit peu d'énergie. Et voilà. Donc c'est tout électrique, pardon. Donc à la fin, vous aurez plus besoin de trucs de base. Tout se fera par énergie. Donc vous voyez aussi que les petits cercles, ces endroits, ils peuvent apparaître. Voilà, ici. Donc vous voyez pas mal autour de ces arbres. Donc voilà, donc aujourd'hui, dans cet épisode, nous avons vu comment faire un générateur, un macérateur. Et aussi, en quelque sorte, comment faire les backpacks. Donc c'est déjà pas mal. Donc de ce qu'on a pu avancer, même si on n'est pas. On est qu'au début, donc on verra bien. Et dans le prochain épisode, donc on verra comment faire un extracteur ou directement un moulin à eau pour plus les tuyaux qui nous y amènent pour pouvoir avoir de l'énergie autre que charbon, parce que je vous promets que ça consomme énormément, donc surtout avec charbon. Donc c'est pas non plus une ressource, c'est pas une ressource rare, mais voilà, donc c'est assez dur d'en trouver. Donc on fera un moulin à eau et sûrement un extracteur et peut-être une upgrade pour que ceci aille plus rapidement. Voilà, je crois avoir tout dit et j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, à plus.